tellement envie de lui jeter un truc à la face. Sérieusement, bonhomme, viens voir. Ah, je l'ai raté. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc, à votre demande, chers amis, j'avais déjà pensé à le faire, mais vous inquiétez pas, hein, mais bon, ça a été réclamé à tort et à cri. Du coup, autant en profiter, on va mettre cette fameuse radio que vous voulez tous, hein, on va la mettre là, je dirais. Al. Pas pensé. Ouais, l'avoir déjà mis quelque part. Je sais pas pourquoi j'ai un doute, j'ai l'impression d'avoir déjà mis quelque part, mais c'est pas grave. Là, c'est peut-être pas trop mal. On va essayer de se caler sur la ligne là. Tac. Voilà. On l'écoute après. Moi. Puisque maintenant, nous allons nommer le Simos. Alors, le Simos, il y a eu plein de noms qui ont été donnés. Hein. Enfin, plus pour le Cyclope, le futur Cyclope qu'on n'a pas encore. Mais ce n'est pas grave. Alors, pour le Simos. Et donc là, vous allez peut-être le voir. Normalement, je vais l'incruster sur l'écran. Je vais incruster différents commentaires. Voilà, donc le spot pour farm le diamant, merci à Kalozar. Le nom King Sardine pour le Cyclope, rappelé par Rodela, mais je me rappelle plus qui l'a prononcé dans le live de Warframe, malheureusement. Alors Aquagod et Bonus pour à la fois pour premièrement le Cyclope et pour le Simos, ça c'est écrit, faut pas chercher. Donc voilà, tous les commentaires, les commentaires les plus pertinents, je vais essayer de les mettre maintenant dans la vidéo, on va essayer de d'améliorer encore une fois le principe de de communautarisme sur la chaîne. Donc on va partir pour Dédalus. Je crois que c'était celui-là qui a été choisi. Non, Tartarus ou Abyssus, pardon. Tartarus. Voilà. Et il est bio comme ça en plus. Ok. Donc ça, c'est fait. Autre conseil qui m'a été donné. Et là, pour cela, je remercie mon cher monsieur. Alors attendez, je l'ai vu tout à l'heure. Et tout de suite, Rico Z, qui m'a dit que je devais aller chercher un autre type de plante bien plus utile que celle-ci, que celle-ci pour la flotte. Et donc, j'y vais. A tout de suite. Il a en vue. Bon, c'est bon, on arrive. Ok, poseille, on est bon. Alors, on m'a dit un arbre à bulbe. Un arbre à bulbe. Ça ressemble peut-être à ça, non? Bon, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Arbre à bulbe, c'est pas ça? Oh non. Arbre à bulbe. Ok, bonjour. Allez. Voilà. C'est fait. Alors, ça prend beaucoup de place et ça donne 10 de flotte. C'est effectivement bien plus efficace. On va en chercher un deuxième. Voilà, il y en a un juste ici. On va se remplir les poches. Crac. Et on va remplir aussi, faut pas l'oublier. Le stockage. Pour aller ensuite se re-remplir les poches. Allez, allez, serre-toi de tes mains, pas que de tes palmes. Voilà, merci. Et merci, 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 merci. Je vois des plantes que j'ai pas l'impression d'avoir scannées. Et j'ai tout scanné dans le coin. Cool. Bien mon boulot, dis donc. Wouhou. Plouf. Ok, on est bon. Alors désolé, je suis encore un petit peu malade. Hein. Je m'en sors. On va dire que je suis sur la bonne pente. Crac. On retourne à la base et on plante tout ça. Par où la base? Je viens de trouver un truc. Je sais pas ce que c'est. Centrale thermique, je l'ai? Je ne sais plus. La centrale thermique, voilà, je ne l'avais pas. Ce qui est étrange d'ailleurs. Je l'ai, c'est certain, je l'ai dans les mains. Mais, ok. Alors, ça peut être extrêmement intéressant, la centrale thermique. On reverra pourquoi. Il me semble que j'avais débloqué, avec vous, chers amis, c'est ici les schémas. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, le transmetteur de puissance qui pourrait nous permettre, en fait, simplement de transférer la puissance d'une zone à potentiel thermique important. Vers la base, tout simplement. Ce qui pourrait être assez génial, puisque le potentiel thermique, je crois qu'il fonctionne H24.
Donc, intéressant sur le principe, à voir dans, comment dire, dans la pratique. Je sais pas trop à quelle distance je suis, cependant, d'une zone thermique. C'est peut-être le seul souci véritablement que nous ayons. Ok. Au passage, on va aller vite fait voir ce qu'il nous faut pour le Cyclope. On commence à créer un coffre. Préparation pour le Cyclope. Vous savez, comme les youtubeurs cuisiniers qui font avant de commencer... Aïe. Voilà. Avant de commencer la liste de tous leurs ingrédients. D'ailleurs, au passage, vu que j'ai la tablette juste là... Véhicule, oui, c'est dans les véhicules, effectivement. Si passe... Voilà, en fait... Oh. Hop. Photo. Voilà. Hop. Auto. Voilà. Et on a le prawn et le truc. Comme ça, je suis préparé à toute éventualité. Ok. Bon, du coup, je viens de chuter comme un caca, mais c'est pas grave. Je peux... Putain, c'est pas par là qu'elle est... Elle est où l'échelle? Elle est où? Voilà. Ok. On est bon. Du coup, oui, je disais. Comme on vient d'aller sur l'autre île, là, sur l'île flottante, normalement, alors l'autre île, elle est censée être par là, précisément. Donc sud, sud-ouest. Et je crois que nord-nord-est... Ou nord-est... Alors c'est nord-nord-est. Ou nord-est-est. Je vais partir sur nord-est-est. Je crois qu'il y a l'autre île. Je ne sais plus si c'est ça le principe. Hein. Mais il me semble que normalement cet endroit-là, l'arbre, est un super point de repère. Et du coup je l'avais déjà utilisé. Enfin il me semble que je l'avais déjà utilisé. Au niveau du... Oui, au niveau du son ça marche. Il me semble que je l'avais déjà utilisé au niveau du comment du... Du précédent let's play, ce Oh là, je me posais la question de ce que c'était. En tout cas, on devrait peut-être pouvoir trouver quelque chose sur le passage. Et aussi, ça me permet de visiter un petit peu la partie nord de la map. Je crois qu'on l'a pas trop visité en termes de longue distance. Donc, à voir. J'aimerais bien voir aussi si c'est par là qu'il y a... Ah. Pardon, faut que je regarde là, c'est vrai. Ça. Wow. De l'or en boîte. Littéralement. Oh, c'est profond d'un coup, là. J'aime moins. Non, ça va jusqu'à quelle profondeur? Remarque, je vais jusqu'à 900 mètres maintenant, ça c'est cool. J'avais complètement zappé cette... Oh. Profond. Et vous de mon ch... Bonjour. Joli en tout cas. Ça va jusqu'à quelle profondeur? Ah, je crois que j'ai été repéré. Voilà, il tourne tout seul. C'est quoi qui me suit? Oula, arrête de tourner comme ça, c'est pas moi qui te demande de faire ça. Pourquoi tu tournes tout seul? Waouh, t'es tout vert. Gueule. Merci. En train de me dire que ça, en fait, il y a un certain temps, c'était à la surface. Je ferais pas un poil de moi, là, par... Merde. Un peu de tranquillité, que diable. Oh, merde. J'ai tout le bon endroit pour aller, là. Ok. Bon, on va aller voir quand même ce qu'il y a sur ces îles. Vu que je suis toujours bon en bouffe, j'ai fait le plein bouffe, enfin, pas, oula. What? Ah oui, c'est... Ah oui, non, c'est ces trucs-là qui ont flotté il y a longtemps. Wow, mais... J'ai pas la... En parlant de choses qui flottent... Ah oui, c'est pas du tout précaire. Genre pas du tout quoi en fait. Bon, là il y a une porte. Alors je suis à 180 mètres de profondeur. Donc je devrais pas avoir de problème pour respirer. Par contre, ce qui serait cool, c'est que je pense à mettre la pétoche en 4 et ça en 5. Merci.
Ok, l'ombre en pixel 2D. Wow! Et puis on radio. Et chaise là. Récupérons tout l'oxygène dont nous avons besoin. C'est pas grave, je préfère être prudent. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est très très bon. Et le deuxième en plus. Oui, c'est pile poil ce qu'il nous fallait vu qu'on partait pour la construction du cyclope. Peau de plante élégant. Oui, c'est rond quoi. Et... Ouh. Bon, le prawn, c'est peut-être pas ce qu'on va faire dans l'immédiat. Peut-être qu'on devrait, hein. Peut-être pas trop ce qui m'intéresse dans l'immédiat en fait. Ça je l'ai déjà. Arrêtez de me faire ce coup là. C'est casse-couille. Le coup du on te voit à travers les murs, c'est pas drôle. Non vraiment hein. Oh encore hein. Je l'ai déjà en entendu. Ah, c'est nouveau ça. Comment vous faites ce genre de choses là? Bon, il n'y a aucune caisse d'ouverte, qu'on se mette bien d'accord à ce sujet-là. Ça, je l'ouvre. Si. Mais, ouais, je m'attendais à un peu plus. Alors, peut-être qu'on va retrouver la deuxième partie du bras. Ou la troisième, si jamais il en faut trois. Mais, ouais, je m'attendais à un peu plus de choses. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une déception, mais... Pour l'instant, c'est juste une suite de longs couloirs longitudinaux. J'ai réussi à caler longitudinal. Je vais pas dire, on a trouvé. Anneau signal. Ah, par contre, c'est une technologie. Ouh, génial. Alors, on m'avait dit que j'avais oublié des choses dans le... Ah, je l'ai. Celui-là que j'ai pas. Excusez-moi. Pas encore tout à fait ça. Encore un chargeur de batterie. Je vais quand même aller faire le plein d'oxygène, ça ne dérange personne. Hop. La longue ligne droite, parfois, ça a du bon. Je l'ai vu, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Il est pas du tout casse-couille à être là, d'ailleurs. Il est en train de me... J'espère qu'il n'y a pas... Et s'il me pète mon cyclope... Mais alors, le... Je vais les chasser, hein, tout ce temps qu'ils sont. Que ce soit bien clair. Diastase, je l'ai pas en entier, si. T'avais en entier. Autant pour moi. Non mais casse-toi, je t'ai dit tu pues. Il me voit à travers... Alors ça c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Parce qu'en fait du coup tu t'attends à les voir en sortant alors qu'en vrai bah tu ne le sais pas qu'ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur le principe, normalement c'est bien plus flippant. Bon. Bonjour. Ah non, à propulsion, je l'ai. Je l'ai. Palme de charge, génial. Absolument génial. Bras grappin, oui, ça c'est la folie. On ressemble à Indiana Jones. Y'a rien d'autre. J'en ai qu'un sur 36 000 et je suis bien baisé. Et c'est la sortie que tu me montes là. Même quand je suis malade, tu continues de chanter. J'ai mon canon. Putain! Oh la haine! Je vais le chercher. Ok. Non mais je l'ai pas! T'es en train de me dire que je l'ai laissé à la base. Oh là 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 là, mais ça va pas dans ma tête! Ça ne va pas dans ma tête! Il me faut deux d'argent s'il vous plaît, merci. Voilà. Tac.
Toi, tu pousses. T'es en train de pousser. Et heureusement que j'ai prévu le coup, si je puis dire. Crac, manger. Ah là, ça fait du bien par où ça passe. Kit de câblage. Qui me pète les couilles, sachant qu'il me faut que je fasse quand même un kit de câblage avancé derrière pour le cyclope. C'est pas grave. Canon à propulsion, c'est ça? Oui. Bon, on y va, go for it. Et je vais le mettre dans le coffre du Simos. Je ne veux pas le paumer. Et là, vous allez me dire, Marcus, c'est une très mauvaise idée. Je vais vous dire, je vais lui demander pourquoi. Pourquoi? Et vous allez me dire, bah parce que s'il se fait péter ton Simos, tu l'auras plus. Oh, tu sais pas, tu vois bien qu'il y a une marge de 20 cm, tu peux pas la grimper. Moi, je vais vous dire, bah, bah les couilles, j'irai le récupérer quand même. Pourri. Comme moi à l'intérieur. Ah. Question. Je peux pas les... Ah, je peux pas les jeter parce que je suis à l'intérieur. Oh. Boum, 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 boum. Eh. Ça, c'est pas dégueulasse. Grimpe dedans. I know you can do it. Voilà. On sait pas comment t'as fait, tu t'es téléporté. Et on retourne à la base. Enfin, au truc. Nord, nord-est. Non, nord-est, est. Voilà, on va partir comme ça. Wouah, il y a tout plein de débris autour. C'est hyper dangereux. Quelle idée j'ai eu de mettre le canon déjà dans le... Je crois qu'il est profondément dans le fion, le canon. Oui, c'est pas possible. What? Le mec, il s'est garé comme ça, là. Un foot. Et je vais me garer là. Je vais reprendre tout le trajet. Putain! Ils vont me le péter. Hein. Sincèrement, ils vont me le péter. Hein. Je vais les virer. Je vais voir si je peux les virer. Si je peux pas, je leur jette du poisson à la face. Et pif, quitte. Voilà. Non, ça je veux pas. Par contre, ça... Ça veut dire que je peux peut-être envoyer chier ces mecs-là. Au loin, non? Non? Non. Ok, bon bah je me casse. Ah, ah non mais tu rentres là-dedans, mais alors toi ça va pas le faire. Dégage. Dégage, je vais le dire à ma maman après. Viens par là. Voilà. Vous êtes coincé, bande de merde. Hein. Merde. Bon. Toutes les portes sont fermées, tu vas me dire? J'ai même pas fermé le jeu entre deux. Ma gueule. Non mais sérieusement, les mecs, calmez-vous. Y'a un trou du cul qui est venu fermer toutes les portes derrière moi. C'est ça? Dieu merci, les portes coupées sont restées coupées, hein, mais... Se poser des questions. Ok. On y est. Ça valait le coup. Unité de confinement pour aliens. What? Ah, l'aquarium. Ok. Ça, je connais. Une fois que tu m'as. Pourquoi t'as pas appelé ça directement l'aquarium? C'est tellement plus simple. Bras de propulsion. C'est pas celui-là qu'il me faudrait. Non, sérieusement les mecs, j'ai préféré avoir celui avec le... Le grappin. Vous voyez ce que je veux dire. Le grab-grab. Sortir par là? Non. Âge. Là forcément, la porte est fermée. On va essayer d'aller chercher le Simos le plus vite possible. Allez.
Et visuellement, je l'ai perdu. Non, c'est bon, il est là. Tartarus! Profondément coincé dans mon... Bon, alors. Cette porte-là, je l'ai pris, je suis sorti à l'autre bout. Cependant... Il y a un trou là qu'on a déjà vu. Voilà, il y a plein de choses ici. Il y a tellement plein de choses même que... Et merde. Pêche-toi, Marcus. Pas le bon truc. Oh là, ils me pètent les couilles, ces mecs-là, dis donc, Raconte pas. Il revient en plus, dis donc, Oh, oh, oh. Et le respect dans tout ça. Ils se la mettent. Ils se la mettent entre eux-mêmes. Ah d'accord, j'ai pas réussi à le projeter. Bien, bravo, Marcus. Ah, c'est quoi? L'heure à créature. Ah, ça va être pratique. Confirme. J'ai cru qu'il y avait quelque chose juste au-dessus de moi. Là. Bras de forage. Je l'ai pas. Je crois que c'était le bras de... Va me voir. Va me voir. Il va me voir. Retrouver le bras grappin. J'ai tellement envie de lui jeter un truc à la face. Sérieusement, bonhomme, viens voir. Ah, je l'ai raté. Bien vu. Oh, mais l'endroit de merde, quoi. Je suis pas sûr que ce soit le bras grappin. Ça, c'est un forage. Je crois qu'il manque un bout de bonjour de bras grappin. Mais je sais pas où il est coulé. Littéralement, hein, où est-ce qu'il a coulé. Ah. Ça se trouve, il est pas là, Ça se trouve, là, j'ai trouvé qu'un seul bout exprès pour me dire, bah, y'en a un, génial. Peut-être un couillon qui reste coincé dans le mur. Ouais, vas-y, fais genre. Tu vas faire genre. Pose toujours, tu m'intéresses. Par contre, dans la salle, il y a tous les trucs de Brown. Je check un peu tout, je suis désolé. Fragment de combi, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Peut-être qu'en dessous, il y a quelque chose. Ah non, bizarrement non. J'ai un titane pour la statue du cyclope, mais... Je crois que c'est une porte, d'ailleurs. Et non. Et non, Marcus, t'excites pas comme ça. Tu l'as pris, Marcus, c'est bien, t'es un grand. Il manque juste un bout de Brown. Les donne-le-moi, sois pas radin comme ça. Allez, file-le-moi. Allez, allez, hop, c'est bon, bien, on est d'accord. Ça c'est propulsion. Congelé. Un autre passage. Oh, pas d'autre passage, pardon. L'espoir fait vivre. C'est bien. Donc soit je l'ai loupé, c'est possible. Mais bon, j'ai quand même bien fouillé pour le coup là. Soit ouais, il est aux alentours et je l'ai pas trouvé. Soit ouais, il a coulé encore plus profondément et je risque pas de le trouver. Soit ouais, je suis pas au bon endroit. Courage. Bon bah fouite, hein, tant pis, on l'a pas trouvé. Chaque fois j'ai l'impression que je vais me faire agresser. Putain, il est déjà à 50% le machin, truc. Ok, bon bah la suite. Alors direction nord, nord-est-est, pardon, j'ai envie de dire nord-est, nord-nord-est. Mais nord-est-est, pour la nouvelle île, normalement, hein, on avait dit. Hein. C'est ce qu'on était censé faire depuis le début, mais c'est pas grave. De toute façon, je crois que je suis... Ouais, je suis plus ou moins dessus déjà, là, en fait. Ça, non? Voilà, la fameuse île en question. Puisqu'un certain, je crois que c'est... Alors, excuse-moi, je veux pas chier sur ton nom. Un Sakalozar m'avait prévenu qu'il y aurait des choses intéressantes ici. Là où il y a le gun, tu montes le petit sentier, Marcus. Oui, mais avant ça, picoler un coup si ça te dérange pas. Réponds-moi dans les coms si ça te dérange ou pas.
Saloperie. Ah. Om nom nom, on est bon. Crac. Et donc tu m'as dit, tu suis le petit sentier, il y aura des cavernes pleines de schiste, de diamants, de tout ce que t'as toujours rêvé à voir à tes... Regarde, moi je te loupe pas par contre. Ah bah oui, c'est les fameuses cavernes que j'ai pas voulu entrer là. Ah, est-ce que c'est la fois où... Allez, au revoir. C'est la fois où j'avais déjà commencé la partie où je l'ai pas fini parce que... Je ne sais plus. M. M. Oh. Je me suis, hein. Diamant, merci. Donc ça marche. Ok, je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Merci à toi, Kalozar. C'est ça, Kalozar. Kalozar, c'est bien ça. Hop. On est bon. Et bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de faire autre chose ici de mémoire. Il juste que je commence à trouver véritablement de quoi faire mon cyclope, je pense, pour avoir une base mobile. Et maintenant qu'on a le chargeur de pile haute capacité, c'est excellent. Alors, l'autre souci que j'ai avec le chargeur de batterie haute capacité, c'est que ça risque de pomper énormément d'énergie. Alors ça, très bien. Et donc, mon avis personnel serait normalement de créer... Disons... Une autre salle multi-village. Ça reste sans doute... On va prendre ça là. Hop. Sans doute. Ici, vu que j'ai plein de titane. Pour une raison que j'ignore, il veut pas me la construire là. Parce que sans doute, j'ai les plantes juste devant. Voilà. Donc on va la créer là, c'est pas grave. Ou non. Non, non, on va pas la créer là. On va la créer ici. On va voir ce que ça me fait comme thème, en termes de points, ce que ça me fait véritablement. Et les points d'intégrité. Moins 1,5. Ah, je pensais pas que ça serait en négatif. Plaçons une consolidation. Voilà. On rajoute 7 points, ce qui doit pas être mal. Et enfin... Stupide de ne pas le faire sinon. Et moi, j'ai envie de tousser. Ah. Crac. Et nous sommes bons, nous pouvons grimper. Et donc ici, j'aurais tendance... Excusez-moi. À remettre un bioréacteur. C'est mon avis personnel. Est-ce qu'il serait pas plus intéressant d'utiliser l'énergie, disons l'énergie, comment ça s'appelle, l'énergie thermique. C'est pas, oui, bien sûr, les trucs thermiques qui sont pas là, ils seront là, voilà. Pour, ah oui, l'aérogel. L'aérogel, je ne l'ai pas, pas encore. Allons voir. C'est peut-être ça le seul véritable souci actuel que j'ai. C'est que l'aérogel, je ne l'ai pas. Alors, vous m'avez aussi dit que je ne sais plus quoi. Alors, attendez, l'aérogel, c'est un truc en rapport avec un truc qu'il faut que je récupère sur une plante directement, ça, non? Attendez. On va aller voir ici. C'est pas un truc qu'il faut que je récupère. Et vous m'avez dit, en tout cas, que les sacs qu'il fallait que je récupère se récupéraient sur les sacs à proutes. On va d'ailleurs aller faire ça. On va aller faire ça rapidement, histoire que j'en termine avec... avec la... comment la... si je puis dire la... What? Ok, c'est pas grave. Avec la... comment la... dans le premier épisode, avec la... comment la... la... la partie commentaire. Alors, on devrait pas être très loin de ces sacs à proutes.
on ne devrait pas être très très loin de ces sacs à proutes. Ce qui veut dire... Normalement... On devrait pouvoir être en mesure de récupérer en fait leurs proutes derrière. C'est pas des air-sacs, hein, je me trompais avec le nom de tout à l'heure, mais... Demande à voir. Je demande à voir. Sac à proutes ? Ah. Voici un sac à proutes. Et donc, vous m'avez dit... Il faut récupérer les proutes. J'en doute. Je trouve ça assez dangereux comme... Ah si, c'est ça. Les capsules de gaz, c'était bien et bien ça. Bel et bien ça, d'accord, ok. Je m'excuse. Souvent que ça m'arrive, ça. Wouh. Ok. Non, je m'excuse, sincèrement, hein. Oh. Très bien. J'avais tort. Bon que j'y ça, hein. Vache. Alors j'en profite quand même pour récupérer les trois petites choses. Non mais... Ah merci. Le soufre, ça peut être important. Ce qui m'intéresse surtout c'est de voir si j'ai des rubis. Là aussi, c'est important. La place dans le coffre. Et... Pensez à vider le coffre avant de rentrer. Avant de repartir pour l'épisode suivant. Hop, on récupère absolument tout. On vide l'endroit. Je ne peux plus avoir à revenir. Je vais devoir revenir. Devoir revenir. Ah. J'ai pas genre masse titane que je peux... Ou alors je laisse toutes les piles ici, pour l'instant. Merde, elle était pleine. Récupère le module. Récupère la poupée. Je vais laisser les posters. À cause de l'or. Laisser un petit peu d'or. L'or de maison du café. Voilà. Et je suis full. Parfait. Bien! Bravo! Ok. Hack. Du coup, retour à la base, chers amis. Retour à la base. Il faut que je trouve l'aérogel. Je sais que c'est tiré, je crois, que de la flore. Je crois que c'est la flore. Parce qu'il y a mon... Emplacement proposé de base du dégazi. Ah... Faudra qu'on aille voir ça aussi, un de ces quatre. Faudra aussi que j'aille voir ma base. Voilà, c'est là-bas. Crac. On y va, go for it. On va à la base. On modifie le... On se prépare à partir, en fait, tout simplement. Hein. On se prépare à partir. Et peut-être que dans le prochain épisode, il va y avoir plusieurs choses, en fait. Soit on va construire la batterie haute capacité. Donc ça va nécessiter d'aller peut-être chercher du rubis. Et dans ce cas-là, on va voir ensuite, niveau énergie, ce que ça nous prend. Soit, et là, c'est un peu plus grave, compte tenu de l'énergie que ça prend, on ne survit pas, on ne tient pas le coût énergétique de la batterie, et on ira récupérer l'énergie thermique, qui risque de nous coûter assez cher, hein, je ne sais pas encore, là, je vais aller me renseigner sur la distance à parcourir, enfin, que je peux parcourir avec des transmetteurs d'énergie. Mais voilà, on verra bien ce que ça vaut. Et en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode pour ça. Salut les gens!